La cérémonie militaire s'est déroulée sur l'esplanade du Cercle national des officiers à l'occasion de la prise de commandement du lieutenant-colonel Semengue, nouveau chef de l'armée camerounaise. Monsieur Sadou Daoudou, ministre des Forces armées, a présidé cette cérémonie. Il a reçu le drapeau des mains du colonel Boussiké, ancien commandant en chef, et l'a transmis symboliquement au colonel Semengue. Le nouveau chef de l'armée camerounaise devait ensuite passer ses troupes en revue. C'était le temps des indépendances. Ces images remontent à 1965. Le lieutenant-colonel Semengue, nouveau chef de l'armée camerounaise, prend le commandement. 8 ans plus tard, le 22 juin 1973, à seulement 38 ans, Pierre Semengue est nommé au grade de général de brigade. C'était il y a 50 ans, la montée en grade d'un pionnier qui va devenir le premier officier général de l'armée camerounaise. Il nous fallait ressortir les cassettes de l'histoire, des rayons de la mémoire, remonter le temps au fil des bandes pour revivre en images ce jour de gloire que le général Pierre Semengue pourrait inscrire dans ses mémoires d'espoir. L'espoir, ce mot que rien n'a pu troubler dans sa vie d'orphelin, parce que, comme il le dit lui-même, c'est le don de Dieu, il y a une empreinte céleste sur son parcours de combattant qu'il appelle la main de Dieu. Je dois dire que c'est Dieu encore qui m'a sauvé. La main de Dieu. Ce document, je l'ai intitulé « Semengue, un pionnier 50 étoiles ». Et pour écrire ce film sur l'espoir, nous avons été aidés par les yeux de ses souvenirs, des proches, des amis, des camarades. On connaissait l'homme public, mais moins l'homme privé, profondément épris de son métier et de sa famille. Sous ses épaulettes de haut gradé se cache une émouvante histoire sur la souffrance, sur l'espoir. Sous sa poitrine bardée de médailles, il y a un cœur qui bat pour l'honneur du pays, mais surtout pour sa mère. Vraiment, ma mère, c'était une femme formidable. Le parcours de ce combattant est un voyage entre Nangum, la terre de ses racines, par Fou, Bibia, Le Dor, Bikoka, son berceau, l'école militaire de Saint-Cyr en France, Yaoundé, Edea, Ngambé, mais surtout les pages d'un livre qui a changé sa vie, le dictionnaire de son grand frère, Jean-Marc. Sans cet ouvrage-là, jamais le Cameroun n'aurait eu ce militaire devenu le général Pierre Semengue. Mon frère aîné, Jean-Marc, était maître. Il a acheté un dictionnaire, Larousse, qui avait dans sa partie historique la Seconde Guerre mondiale. L'enfant que j'étais s'est mis donc à lire cette histoire. Ça m'a tellement plu que j'ai lu ça plusieurs fois. J'étais même presque un expert dans cette guerre. Et un certain nombre de chefs militaires sont devenus mes idoles.
pluie de larmes sur Bicoca. Le village se recueille devant la mémoire du doyen Jean-Marc Ndjungé. Cet après-midi, c'est un Pierre Semengue stoïque devant l'épreuve. La mort lui a arraché son frère Jean-Marc. L'une des dernières lampes de sa vie vient de s'éteindre. Ce grand frère qui a éclairé les choix de Pierre pour le métier de militaire. Le général accuse le coup, mais reste debout. Je pense qu'il est très, très, très stoïque. Et c'est quelqu'un qui... Je ne sais pas si c'est la formation à l'armée, à Saint-Cyr, ou justement cette enfance difficile, avoir perdu son papa quand on est très jeune, etc. Ce qui ne l'a jamais quitté, en revanche, c'est cet air austère de militaire. Mais c'est surtout un visage blindé qui, par fierté, aime masquer ses difficultés. C'est quelqu'un qui ne parle pas beaucoup de souffrance parce que je pense qu'il ne veut pas communiquer un esprit de loser aux personnes. Il ne parle pas beaucoup de souffrance. Je crois que c'est un de ses caractères chez lui. Il ne veut pas trop montrer les faiblesses. Il n'aime pas trop montrer ses faiblesses. Même quand il souffre, il reste extrêmement digne et extrêmement fermé. Il y a une pudeur chez lui à étaler ses douleurs, ses souffrances. La formation militaire, c'est une formation physique, premièrement. Une formation physique vous permet d'endurer les difficultés que le commun des mortels ne peut pas essayer d'affronter. D'une main ferme, avec ses proches, il s'accroche au courage comme il peut. L'homme regarde son grand frère s'en aller vers l'éternité. Juste derrière lui, il y a ce regard. Ses yeux, qui malgré la vieillesse, sont pleins de souvenirs de jeunesse. Mama Thérèse Téné, l'une des doyennes du village, maîtrise la généalogie des Semengue et elle a bien connu le petit Pierre. Petit comme grand, il a toujours fait la fierté des gens de Bicoca. Personne n'a par exemple oublié les échos de la joie du jour où Semengue devenait général de brigade. Quand il parle là, c'était un dieu. C'était un don de Dieu. On ne savait pas. Surtout qu'à l'époque, on savait que c'était le premier général. Nous sommes le 22 juin 1973. Cette année-là, le Cameroun lance un chantier monumental sur le plateau à Temengue, à Yaoundé. La construction du monument de la réunification, à la demande du président Ahidjo. Petite coïncidence de l'histoire. Ce cône, devenu icône de la capitale, a le même âge que le grade du général Semengue. 50 ans. Et ce symbole de notre unité en béton a pour voisin le général, un des gardiens de l'intégrité du pays. Sous ses lustres, une galerie d'art illustre sa carrière bardée de galons, dorée d'étoiles et de distinctions. C'est ici, dans la sobriété de l'intérieur de son domicile au quartier général, que le général va nous raconter son parcours du combattant, à commencer par son instinct de guerrier et protecteur des biens de la communauté qu'il doit, peut-être aussi à ses grands-parents. Pour comprendre cette allusion, remontons les roues de l'histoire jusqu'à ses origines benneux, au village d'Angen, à quelques kilomètres de Fou. Pendant la période allemande, ils avaient dû livrer une guerre pour protéger leur commerce et mieux le rentabiliser. Lorsque les Allemands sont arrivés,
les populations de l'intérieur faisaient le commerce, donc avec les blancs qui étaient à la côte à Kribi. Et il y a eu trois périodes. Une première période, c'est les populations locales qui vendaient. Ils prenaient les marchandises venant de l'intérieur et faisaient donc l'intermédiaire. Une deuxième période, les populations de l'intérieur ont prétendu qu'ils pouvaient aller vendre directement. Mais ils se faisaient entubés par les populations locales, soit en leur arrachant le produit de la vente, soit en leur prenant le produit de la vente. Donc, troisième période, les populations de l'intérieur ont donc décidé de créer un couloir sécurisé entre Yaoundé et Kribi. Ils ont donc pris mon grand-père comme meneur, d'autant plus que sa mère était une Ngoué, et sa mère était donc de là-bas. Donc, il était neveu du chef qui commandait l'opération pour créer cette opération, qui a été nommée d'ailleurs la route de la guerre en Béti, Nzomingkan. Voilà. Et il fallait donc créer ce couloir partant de Yaoundé, passant par Bankoumou, Ngoumou, Mbengue et l'Orbissian, avant d'arriver à Kribi. Mais son grand-père, l'un des commandants de l'opération, n'arrivera pas à Kribi. L'armée des conquérants commerciaux sera stoppée à Lölledorf, appellation allemande du village du grand chef local Loulé. Mon grand-père a été battu et alors qu'il avait déjà pris la zone, parce que chez le directeur général de la CRTV, Charles Ndongo, on faisait partie de la même expédition, enfin ses grands-parents. Donc, et le chef local s'appelait Loulé. Et il a fait alliance, après avoir été battu par l'armée Béti, il a fait alliance avec les Allemands, un certain Kurt von Morgen, Allemand, le lieutenant de son état. Comme il a trahi, les Allemands ont pris donc pour PC son village, Lullendorf. C'est même Lullendorf. Et le village de Lullé est devenu le chef du lieu. C'est-à-dire un poste allemand. Et les récalcitrants dont mon grand-père était obligé, on leur a demandé de venir habiter à côté du poste allemand de Lullendorf. Donc c'est pourquoi on est à Bikoukabibondi. Et en fait, je peux dire Ngoyang, Ngovayang, etc. On est de ce côté-là parce qu'il fallait que les récalcitrants soient à côté des Allemands pour être bien surveillés. C'est à Bikoka, à quelques kilomètres des flots de la Lukunje, que ce Mengue verra le jour, le 28 juillet 1935, dans l'entre-deux-guerres. Sa mère s'appelle Lydie Ngono Mengue. Son premier mari s'appelait Nzon Ekubu, qui était mon oncle. Mais il est mort très jeune. Et son petit frère a hérité de ma mère. Après avoir fait deux enfants, et avec ma mère, mon père a fait cinq autres enfants. En août 1940, le petit Pierre perd son père.
Il n'a que 5 ans. Et c'est sa mère qui va lui tenir la main, guider ses pas dans la vie et forger la personnalité de l'homme que le monde connaît aujourd'hui. Vraiment, ma mère, c'était une femme formidable. Ma mère nous a appris d'abord Dieu, parce qu'elle était très chrétienne. Dieu, après la discipline et le travail. Il n'y avait pas de très grande différence entre un homme et une femme chez elle à l'époque. Donc, elle a bien travaillé. Ce fils de planteur, sorti du fin fond du Cameroun, qui aurait pu imaginer qu'il deviendrait le premier officier supérieur, premier officier général, commandant de l'armée camerounaise pendant... C'est pourtant ce destin qui attendait le petit garçon de Bikoka. Ses frères, partis étudier à Akom, le gamin reste le seul homme de la maison. Il n'a que 7 ans. Son acharnement au travail va coûter une incroyable sentence à sa mère. Maman Lydie Ngonmengue sera sanctionnée par l'église pour avoir soumis son enfant à des travaux trop durs. En l'occurrence, l'abattage d'un arbre. Ce que le jeune Pierre va faire sera osé. Il court au secours de sa mère. Nous sommes en 1942. L'homme du village, c'était moi. Alors, il fallait que je fasse le travail des hommes. C'est-à-dire abattre des arbres. Quand on faisait les champs, il fallait abattre les arbres, c'était l'homme. Donc, je suis allé, j'ai abattu cet arbre-là, et évidemment, j'ai eu des glocks dans les mains, et les missionnaires ont dit que ma mère me faisait travailler un enfant. Je suis allé protester d'ailleurs. Vous voyez, j'avais 7 ans, aller dans une réunion où il y avait des gens de 50 ans minimum. Et même des gens de l'église? Des gens de l'église qui étaient là. La session, ça s'appelait la session. Et je suis allé protester, aller défendre ma mère qui n'a pas fait le travail, l'enfant. C'est l'enfant lui-même qui a demandé à travailler. Plaidoyer réussi. L'ascension est levée. Et comme qui dirait, c'est sa première victoire en tant que force de défense. Dans la contrée, sa prouesse fait écho, tout comme son cursus à la maternelle bouclé en 2 ans seulement, au lieu de 3. Aujourd'hui, l'école de son enfance a presque disparu. Un institut a été construit près de ses vestiges. Son rendez-vous avec son rêve de prestige, Pierre Semengueux, le prend à l'âge de 12 ans. Nous sommes en 1947. Il est en classe de cours élémentaire 2. Cette année-là, une page extraordinaire de sa vie va s'ouvrir. Il tombe sur un livre de son frère, Jean-Marc Djengé. Sur les pages du rêve, il y a une histoire et des noms qui vont l'inspirer et provoquer son destin. Des illustres inconnus. Deux officiers allemands, Gudelian et Hummel. L'ambition chez Semengueux va être précoce. C'est cette année-là, d'ailleurs, que j'ai choisi. Je peux dire que j'ai choisi le métier des armes. Dites-nous en plus. Il se passe que j'étais donc au cours élémentaire 2, 1947. Mon frère aîné, Jean-Marc, était maître. Il a acheté un dictionnaire, Larousse, qui avait dans sa partie historique la Seconde Guerre mondiale. L'enfant que j'étais s'est mis donc à lire cette histoire. Ça m'a tellement plu que j'ai lu ça plusieurs fois. J'étais même presque un expert dans cette guerre. Et il y a un certain nombre de chefs militaires qui sont devenus mes idoles. Comme chez les Allemands, il y avait deux. Un certain Guderian, un certain Hummel.
au maire. Donc, Gouderian, pourtant un spécialiste des transports de la circulation, il a convaincu Hitler de faire passer les chars par les montagnes, par les Ardennes. C'était une erreur, enfin, une bourde militaire. Mais ceci a permis à l'armée allemande de surprendre l'armée française. Il a voulu être militaire parce que des reportages sur la guerre mondiale, il a aimé ce métier. Il a voulu d'en faire ce métier et il a donné toute sa vie à ce métier. Toute une vie dans les armées. Son histoire va inspirer un livre publié en 2002 à Charles Attebaye aîné, écrivain et enseignant, fils de l'océan lui aussi, dont l'enfance a été bercée par la musique des eaux de la Lukunje, comme tous les enfants de l'Holodorf. L'autre rive de la Lukunje nous miroite d'autres souvenirs, reflets de son enfance à Bibia et Bikoka. Dans les flots des souvenirs de Pierre Semengueux, il y a toujours cette histoire de sa pêche miraculeuse qu'il aime raconter. Il aurait sauvé toute une famille à un réveillon de Noël. J'étais l'homme. J'étais pêcheur, j'étais chasseur, j'étais un certain nombre de choses. Et venant d'école, sachant qu'il n'y avait rien à manger, je suis allé à la pêche, mais la pêche, on laissait les cannes piquées au bord de l'eau et on allait visiter le matin, le grand matin. La dernière canne, on a trouvé un poisson sûr qui était pratiquement ma taille, et ça a permis à la famille, la petite famille de Nguanmengue et à sa famille, ma tante maternelle et puis mes de manger Noël. Parce que là, on n'avait rien à manger, rien du tout. Enfin, on n'avait pas quelque chose de formidable. Et ce poisson est venu vraiment arranger les choses. C'est quelqu'un qui tient beaucoup à la famille, qui est là présent quand vous avez besoin d'eux et qui vous assistera à tout moment, quel que soit l'heure. Bientôt, l'heure de quitter le berceau sonne. Pierre Semengueux doit poursuivre ses études à Kribi. La vie va devenir dure pour cet enfant de la débrouillardise. Nous sommes allés faire le concours d'entrée en sixième à Kribi. Et évidemment, à l'époque, je devais aller habiter chez mon oncle. Pour y aller, ma mère avait donc fait pas mal de choses de provisions pour aller donner à cet oncle. Mais je dois dire que pendant tout le temps que nous sommes partis, nous sommes restés à Kribi, je n'ai pas vu quand est-ce qu'on mangeait dans cette maison. Alors pour me nourrir, j'étais obligé d'aller cueillir les noix de coco au bord de la mer et de manger les noix de coco, de manger les coco. C'est pendant le temps qu'on était à Kribi. Donc, je me disais que bon, ça peut arriver, c'est arrivé. Il faut que je me débrouille. Et comme ça, je me suis débrouillé. On chantait Douma, mon âme. Louange de soi, argument de foi. Parce que Dieu veille toujours, il fallait chanter et tenir jusqu'au bout. Et même savoir se tenir debout quand le destin vous soumet à une épreuve scolaire qu'il faut braver avec un argument de taille devant l'incontournable Monsieur Mathieu que le général n'a jamais oublié. Il semblait être grand. Alors, pour orienter nos camarades, il s'était mis debout. Il a mis, je peux essayer de le faire. Il a mis sa main comme ça. Si tu passais en dessous,
tu étais classique. Si tu ne te passais pas dessous, tu étais moderne. C'est comme ça qu'on a été homme orienté. Donc, j'avoue que c'était vite fait, mais c'était archaïque quand même. Moi, qui était donc a priori scientifique, je me suis trouvé chez les classiques parce que j'étais tout petit. Je n'ai pas pu passer ça. Et mon camarade Oboufoque, par exemple, était grand. Il n'a pas pu passer, il était moderne. C'est comme ça qu'on a été orienté au lycée. Oui. J'étais en sixième et il fallait avoir, il fallait avoir les chaussures, notamment les tennis. Je n'avais pas d'argent, j'ai écrit à ma mère qu'elle n'avait pas d'argent. Ma mère, avec ses frères, a essayé d'aller faire les bâtons de manière d'aller vendre. Elle a trouvé 500 francs. Elle m'a envoyé 500 francs. Mais arrivé à Yaoundé, c'était 5000 francs. Malheureusement, ce n'est pas moi-même qui ai touché cet argent. Nous avions les camarades, les aînés, qui nous encadraient. C'est eux qui ont touché l'argent. C'est 5000 francs qui payaient à l'époque. Ça pouvait payer un fonctionnaire de haut niveau à l'époque. C'était le salaire d'un haut cadre de la nation. Mais je n'ai pas. Enfin, j'ai quand même eu les chaussures, j'ai quand même eu un pantalon et une serviette. En ces années-là, Semengue fera la rencontre d'un camarade de classe nommé Paul Biya. Paul Biya, c'est en seconde qu'on s'est vu. On est la seule promotion, à mon avis, qui a fait le concours d'entrée en seconde. Les Blancs avaient décidé, à l'époque il y avait d'ailleurs, pour aller au deuxième cycle, il n'y avait que le lycée Leclerc. Donc, nous avons fait le concours, mais bien que vous ayez, moi par exemple, j'avais le brevet d'études, j'avais mon BPC en poche, j'étais même très bien classé, je pouvais donc entrer en seconde, mais non. On a fait un concours d'entrée en seconde. Les élèves, enfin les candidats venaient partout. Biya venait donc du séminaire d'Akono. Et il a fait le concours avec moi. Avant, les Blancs avaient décidé de recruter 120 élèves, mais non plus que 60. Parmi les 60, il y avait donc Paul Biya, il y avait Semengue. Dans les archives du lycée général Leclerc, leur nom figure au palmarès. Écrit en lettres de prestige avec sur le tableau d'honneur, Paul Biya, major en philosophie. Mais dites-nous, il était comment le camarade Biya? Brillant, calme, pondéré? Il était toujours calme. Il était brillant en français. Philo? En philo. Mais nous avions, parce que nous avions des maîtres dans ce domaine, nous avions un certain camarade qui s'appelait Onambélé, Raphaël. Il était fort en latin et grec. Il était fort en français et avec Etoga Florent, d'ailleurs. Directeur de la CRTV. L'un des directeurs de la CRTV. Il était meilleur. Et moi, comme par hasard, je ne sais pas, j'étais très bon en chimie. Je ne sais pas pourquoi. Ganso en mathématiques. Donc, nous avions des maîtres comme ça. Et tout le monde s'agglutinait autour d'un maître pour les mathématiques chez Ganso. Chez les Français, le français et les philo, on allait chez Paul Biya. Pour le latin et grec, on allait chez Nambélé, Séraphin. Donc, c'était comme ça. J'ai failli dire que c'était aussi une école de la stratégie. On s'agglutine autour d'une spécialité et le groupe avance. Oui, c'est ce qu'on a essayé de faire au lycée. Bon, à l'époque, il faut dire qu'il n'y avait pas
Enfin, il n'y avait pas le tribalisme à l'époque. Ouais. Et on était tous ensemble. On savait que, bon, tel était fort à telle matière et on venait prendre les cours chez lui. Une école de la solidarité aussi. Une école de la solidarité. j'ai eu le baccalauréat avec une moyenne de plus de 15 sur 20. À l'époque, tous ceux qui avaient cette moyenne-là étaient optés pour être boursiers de l'Union française à l'époque. Bon, alors j'ai été donc, comme j'avais donc plus de 15 moyennes, j'avais donc une bourse de l'Union française. Bon. Il faut dire également que, étant en première, je suis allé voir un lieutenant français qui était à l'état-major, le président de la défense. Bon, les gens me chassaient. Bon, je suis allé, j'ai bravé tout le monde et un lieutenant est venu me voir en disant qu'est-ce que je voulais. Je voulais dire que je voulais être officier. Il m'a donc donné les filières pour aller. Okay. Et comment il fait faire. Et il paraît que par son intermédiaire, probablement, j'ai eu également une bourse. En arrivant donc en France, j'avais trois bourses. Une bourse de l'Union française, une bourse de l'armée française, une bourse camerounaise. J'ai écrit donc à Bida en lui disant, racontant cette situation. Et effectivement, Mbida supprime donc la bourse camerounaise. Et on est parti. On a eu le bac en même temps, en juin 1956. Et nous sommes allés, lui le grand, et moi, Janson de Sailly. On a pris l'avion à Yaoundé. Je crois à l'époque un DC-4. Et à Douala, on a pris un DC-6 pour nous amener, pour faire escale. Escale à Garoua, à Kanou, à Tamaran-Rasset, Alger, Marseille, Paris. Je ne savais même pas nouer la cravate. On m'a acheté un costume qui m'allait d'ailleurs mal. Et c'est mon cousin qui avait été en France, qui m'a donné une cravate déjà nouée pour que je puisse mettre. Une veste trop grande pour lui, peut-être pour habiller le début d'un grand destin, de futur haut gradé qui attend le Saint-Cyrien que Pierre Semengueux deviendra après son escale parisienne. Saint-Cyr, l'aube d'un parcours exceptionnel. L'une des plus prestigieuses institutions militaires de France, l'école de ceux qui s'instruisent pour vaincre, Pierre Semengueux est le premier Africain à entrer à Saint-Cyr après le franco-sénégalais Madame Bassi. C'est ici, dans les Yvelines, qu'il ira une amitié solide avec un certain Édouard Étendé Kotto, compatriote et cadet académique. Pratiquement sur les 60 éléments que nous étions, tous étaient généraux d'armée, généraux de brigade dans leur pays. C'est vous dire que nous avons une très bonne formation. Et quelqu'un comme le général Côte, qui a terminé le général d'armée, a commandé pendant toute la guerre des Balkans toutes les troupes des Nations Unies. À Saint-Cyr, leur promotion s'appelle Terre d'Afrique. Leur cuvée est destinée à aller faire la guerre d'Algérie une fois sortie. Quand je sors de Saint-Cyr pour entrer à l'école de formation
artilleur, école, on appelle école d'application. Nous sommes rappelés au Cameroun. Moi, je pouvais encore rentrer parce que j'étais officier, je venais de sortir. Je n'avais pas fait l'application. Mais j'avais... Celui qui me suivait, c'était Eton Lekoto. Et était en deuxième année de Saint-Cyr. En première année, il y avait Yumba, il y avait Femé Gentou. Comment les faire? J'ai donc écrit à Iju en disant, voilà, lui rappelant toute cette situation. Et il m'a répondu. Malheureusement, j'ai perdu ces différentes lettres. Il m'a répondu qu'il nous laissait donc terminer nos études et que moi, je devais rentrer immédiatement après la sortie de l'école. Lieutenant français à l'époque, il va bientôt retourner au Cameroun sur instruction du président de la République. À Yaoundé, il est promu capitaine. Le 23 décembre 1960, ce Meungue débarque au pays et est affecté à l'état-major. Et on m'a donné pour mission de préparer les fêtes du 1er janvier. C'est moi qui ai commandé d'ailleurs les troupes le 1er janvier 1961. Il sera affecté en Sanaga-Maritime, en pleine forêt, agité par le maquis dans le tumulte des guerres révolutionnaires. Nous avons fait, en collaboration avec les représentants de la France au Cameroun, tout ce qui était à notre pouvoir, pour que le calme revienne. L'UPC a été interdite par les Français en 1955. Ils sont allés au maquis. Mais à Iju, je crois que c'est le 25 février, a sorti un décret annulant le décret des Français. Donc l'UPC était légal. Donc à partir du 25 février 1961. Alors, comment l'UPC avait choisi, une bonne partie avait choisi de rester au maquis alors que l'UPC était légal à l'époque. C'était un sujet, je disais, on pourrait faire un débat dessus. Parce que d'ailleurs, Mahi Matip, qui était de l'UPC légal à l'époque, était même président de l'Assemblée législative du Cameroun oriental, alors que son parti n'était pas majoritaire. Donc on tenait compte de ça. Donc, je pense, quant à moi, ma conviction, c'est que c'était la lutte pour le pouvoir. Ce n'était plus question de nationalisme, c'était la lutte pour le pouvoir. L'UPC, certes, avait demandé, c'est elle qui a demandé l'indépendance, la réunification, etc. Mais ce n'était pas elle qui a réalisé tout cela. C'est Aïjo qui a réalisé, qui était contre d'ailleurs, et qui a réalisé ça par la suite. Et il était au pouvoir, et les autres n'étaient pas contents. Le jeune officier qu'il est à l'époque se verra confier d'autres missions. Et dans les rangs de ses renforts, il y a son camarade Saint-Cyr. J'ai eu la chance et l'honneur de le remplacer aussi bien au 1er bataillon à Edea qu'au secteur militaire de Bafoussa au 2e bataillon. Le 19 janvier 1965, le capitaine Semengue devient lieutenant-colonel. Les caméras de l'histoire sont davantage braquées sur cet homme qui, le 22 juin 1973, deviendra le premier général du pays, à 38 ans. Les militaires étaient là, tous ceux qui... des colonels, etc., qui devaient me mettre les galons, Ouba Kaélé, Ndoué Somba, parce qu'il fallait quand même que quelqu'un me mette les galons, même comme j'étais général, donc général un grade au-dessus d'eux, il fallait que
fallait qu'un groupe de colonels, de vieux colonels, puisse me mettre les galons. Une autre qualité lui a permis d'asseoir son autorité. Son ami, le colonel étant des Kotor, vante les prouesses et l'adresse de tireur d'élite du camarade Semengue, un maître de la précision, capable de neutraliser une cible à des distances incroyables ou de changer le cours d'une bataille avec une seule balle. Il accompagnait le président Idio en visite officielle en Égypte et le président Nasser à l'époque a donné avait une nouvelle arme, un fusil particulier paraît-il. Il voulait en faire la démonstration. Il a donné à un de ses bons tireurs pour qu'il fasse la démonstration. Donc. Et puis Semengue a demandé qu'on lui donne également un tirant. Je crois qu'il a fait presque mieux que le grand tireur égyptien. Et la serre lui a donné l'arme. Nous sommes en mai 1962. L'homme est toujours paré. En 62, je suis à Edea. J'apprends que je suis dans la suite présidentielle qui va en Égypte accompagner Amadou Ahidjo. Nous y allons. Et parmi les visites que devait faire le président Ahidjo était l'usine d'armement nouvellement créée par Nasser, et on fabrique un pistolet mitrailleur appelé Porsaïd à l'époque. Du nom de la ville portuaire. Oui, du nom de la ville portuaire. Bon, pour lui montrer la précision de l'arme, trois Égyptiens ont tiré. Je ne sais pas qui m'a pris. Je demande aussi à les tirer. Tout le monde était époustouflé en disant comment. La main de Dieu fait que je fais un tir meilleur que les trois Égyptiens. Et Nasser m'a donné cette arme que j'ai ici. C'est sur cette arme qu'il mettra la main en premier quand l'alerte du coup d'État du 6 avril est donnée. Je descends, j'ouvre la porte, il y avait une porte derrière là. Pour que nous puissions éventuellement nous sauver. C'est là que je ramasse une rafale. J'ai ramassé trois balles qui sont rentrées dans mon corps. Deux balles, une est sortie par ici. Et deux autres, je la prendrai plus tard quand ça devrait être. Deux autres vont s'arrêter à 2 mm du poumon droit. De mon poumon. Ça veut dire que vous étiez blessé et vous ne saviez blessé. Pas. Je suis monté, ma femme a fait le garrot et bon, je ne suis pas mort, mais j'aurais pu mourir tout de suite. Et c'est comme ça que j'ai pu. Enfin, on a pu sauver les enfants, j'ai pu quitter ici pour aller à l'aéroport. Et j'ai donc pris le véhicule également, sur la route de Mbalmayou. Je suis arrêté en Kourounda, où j'ai attendu Eboko Titus, qui devait arriver de Borova. Tous ces noms ont avec lui construit la stratégie de la riposte et assuré la sécurité du président. À la fin, l'ordre est rétabli. Le général ira rencontrer Monsieur le Président de la République. Dimanche matin, je suis allé justement à la présidence. Tout le monde pensait que c'était pour prendre le pouvoir. Et quand j'ai donné mon arme au garde, que tout le monde s'est apaisé, et j'ai vu le président en disant, le travail est terminé. On parle beaucoup, lui et moi, de cette particularité qu'il y a chez lui à être rentré dans l'histoire comme le premier, peut-être le seul pour l'instant, général d'armée qui se retrouve avec le pouvoir, remet de l'ordre
et puis remet le pouvoir aux civils. L'histoire de cet homme est donc indissociable de l'épisode de ce 6 avril 1984 qui fait date dans sa carrière. À l'époque, les Américains classaient les généraux. On m'a classé 7e général dans le monde à cause de ça. J'ai été invitée un jour à la Maison Blanche pour représenter Art Drummers, dont je suis la présidente, par le président Obama. Il s'agissait d'une conférence, un sommet sur la lutte contre l'extrémisme violent. Le lendemain, on était invités tous ensemble aussi au département d'État. Quand je suis arrivée là-bas, un monsieur est venu me parler dans la salle où il y avait donc plein de monde, hein, les chefs d'État, les représentants des Nations Unies, Union Européenne, etc. Et puis plusieurs nations. Et ce monsieur vient et me parle et me dit, il paraît que vous venez du Cameroun, parce que je venais d'ici pour cette conférence. Je lui dis oui. Il dit, je suis content de vous connaître, de vous rencontrer, parce qu'il y a chez vous un personnage historique. Il s'appelle le général Semengue. Vous pouvez imaginer. Donc il me raconte, c'est quelqu'un qui est rentré dans le livre d'histoire, qu'on étudie dans les écoles de guerre, etc., pour l'exemple qu'il a été. Et moi, je suis complètement fascinée qu'en plein State Department, quelqu'un comme ça me parle du général. Et quand je lui dis, je suis son épouse numéro 5, là, il est devenu fou. Et moi, j'étais fière de voir ça. Oh non, je ne crois pas que nous. On ne se vante pas dans notre génération. On ne se vante pas parce que le travail que nous avons fait, les résultats que nous avons obtenus, sont en droite ligne de la formation que nous avons reçue et de l'attention avec laquelle l'État nous a accompagnés. Quand les événements du 6 avril surviennent, le colonel Edouard Etondé-Koto est en retraite depuis 6 ans. Il est un père, même s'il m'appelle numéro 5. Il m'appelle numéro 5 parce que dans la lignée des filles, je suis numéro 5 dans la lignée des filles. Et la tradition, c'est que quand quelqu'un se marie dans une famille, les sœurs de l'époux sont ses épouses. Ce n'est pas tous les militaires qui portent la fourragère. C'est des gens qui se sont fait remarquer par des opérations spéciales. Bon, moi je l'appelle très souvent M. Pierre. Et ça l'amuse. Ou quand on veut le flatter, le général président. Ou l'ancienne église, le général ancienne église. Au-delà d'être mon beau-frère, il peut être considéré comme mon père aussi. Parce que lorsque le général épouse ma sœur aînée, à son âme. Je suis encore tout petit et mon frère et moi, mon frère que je suis derrière, on est encore tout petit et le général demande à mon père de prendre les deux petits garçons qui sont à la maison. Donc nous sommes les premiers enfants du général en fait. L'homme s'est assumé les contraintes d'une vie de militaire sans tourner le dos à sa famille. Tous ceux qui connaissent le général Semengue savent que la première chose qui le caractérise, c'est l'humilité. Derrière le grand homme et les grandes réalisations, il y a un être humain d'une simplicité, d'une humilité hors pair. Dans une famille comme celle-ci, être enfant de Semengue ne doit pas être facile à assumer. Parce que c'est un homme de poids, c'est un homme parfois difficile à porter. C'est un lourd héritage, c'est une lourde charge, ce sont des impératifs. Ça veut dire que vous devez avoir une certaine ligne de conduite. Par respect à l'héritage que vous devez avoir un certain comportement, je dirais même une obligation de compétence. Parfois, vous n'avez quasiment pas droit à l'échec. C'est surtout difficile de vivre l'échec. C'est quelque chose qui n'accepte pas beaucoup. Et c'est la raison pour laquelle la majorité des enfants qu'il a élevés ont presque tous réussi. Les galons, c'est à l'extérieur. Semengue Pierre, c'est à la maison.
la maison, un rempart familial. Hors des casernes, l'autre bastion de la vie militaire de Semengueux, c'est l'église. Les échos des chapelles disent que, pour lui, le développement est un acte de foi. Dès le début de sa vie, il était un fervent chrétien, un des anciens de Hugo-Kerville. Et il a toujours été, tous les dimanches, il est au culte à Hugo-Kerville. Et c'est un fervent croyant. Lorsqu'il est à l'église, on ne sent pas que voilà quelqu'un que le général, le premier général dans le Cameroun. C'est un acteur de développement. Dikoka a été le privilège d'avoir un réseau de scan water. Il y avait la main du général Semengueux là-dedans. Dikoka, vous avez vu, nous avons vu une route bitumée de 16, environ 18 km. Ça a été fait par le génie militaire. D'où de Bikoka, de Lolodov à Bibondi, et avec la bretelle qui part de Bikoka à Bibia. Je l'ai vu comment il conseillait les étudiants en disant « Vous ne pouvez réussir que par la puissance de Dieu. Apprenez comme vous voulez, mais comptez sur la foi en Dieu. » Lampe d'une expérience acquise à l'école de l'endurance, depuis son enfance qui n'a pas été un jardin de roses. Sa foi reste son arme la plus puissante face aux épreuves de la vie. Une vie qui lui a souvent servi des chocs tragiques. La mort de sa première épouse le 28 mai 1981. Et puis, ce cruel 16 avril 2020. Sous les ravages mortels du Covid, la mort lui arrache son fils. Cette épreuve du chagrin ne fera que fragiliser cet octogénaire. Heureusement, son espérance est blindée. Nous avons perdu notre neveu lors du Covid et c'est là que nous avons senti à quel point cette personne peut être introvertie. La mort de mon neveu lui a causé un gros traumatisme au point où il s'est affaibli même physiquement. Le contexte sanitaire de l'époque n'a pas permis l'organisation matérielle des obsèques. Stéphane Semengueux a été directeur du Tonnerre Kalara Club de Yaoundé qui a fait battre son cœur. Avec une passion héritée et balle au pied de son libéro de père, fan des pelouses, fan des premières heures. Chez les Semengueux, il y a une vieille rivalité amoureuse, aux allures de derby qui amuse les visiteurs. Monsieur et madame sont respectivement fans du TKC et du canon. Mais parler du TKC à ce fan de foot lui rappelle souvent son fils Stéphane. Nous n'allons pas insister. Les larmes d'un général, c'est rare. Mais c'est aussi humain, surtout quand ce sont des larmes de joie qui ruissellent comme un torrent de bonheur. Ses pleurs étaient toujours dans le même cadre. Ses enfants. La première fois que je l'ai vu pleurer, nous sommes en août 2009. Pour le 2009, c'est le mariage de ma sœur aînée. Myriam Obélé, qui s'est mariée le jour-là. Pleurer à chaudes larmes. Tout est général. Oh ma fille, tu m'as déjà vu, j'avais un homme, pourquoi ça se passe comme ça? J'ai été mis sur la touche, je n'étais pas au courant. Et c'est pleurer à chaudes larmes. À la mairie, à l'église, en l'amenant sur l'autel, les yeux rouges. Ce jour-là, comme dans toutes les fêtes, le général a aimé danser. Il raffole des danses de salon, des rythmes traditionnels du Cameroun. Mais le général Pierre Semengueux est surtout un fan de musique cubaine. Je pense qu'il a eu beaucoup d'influence de mon frère aîné. Parce que mon frère aîné, c'est un grand musicien. Et dès son plus jeune âge, mon frère aîné a beaucoup joué la musique afro-cubaine. Et je crois qu'il a décontaminé un peu ça, mon beau-frère. Les gens qui sont venus d'Afrique, ils ont aménagé là-bas. Et ils ont fait des choses bien. J'étais assez bon danseur à l'époque. Pour le général, la musique est une force de cohésion
et de courage chez les militaires. La musique des armées, c'est moi qui l'ai créée. C'est moi qui ai créé la musique des armées. La compagnie principale? La compagnie principale des armées. La médaille de la vaillance. Cette musique des armées aura bien donné du rythme à la carrière de cet officier supérieur. Épris de sa patrie, il montre à la postérité ses costumes de loyauté et de fidélité taillés par le destin pour glaner des médailles que l'histoire a su lui donner. Quand ça dépasse, ça c'est pour les chefs d'État. Et ça, c'est ça comme la nouvelle médaille qu'on venait de créer. Médaille de la valeur militaire. La tenue du chef a de l'étoffe, un blason bien doré. J'ai eu le numéro 1. Number 1, numéro 1. Non, Namungwe, Namikobi Boni, Wabazambangang, Wolanga Vibi General, Semanga. Anya, on va nous bénir. On va nous bénir. Monsieur Pierre Semenge, vous êtes notre général 50 étoiles.